Most parents are wary of the so-called heavy metal music. Salut à tous, Metal Excess, c'est l'essentiel de l'actualité métal et dérivé en quelques minutes, le tout en images, en musique et en interview. Metal Excess est une exclusivité Refix by Crédit Mutuel, la plateforme de toutes les musiques, tous les talents en partenariat avec Artforce. C'est parti! Il y a exactement 10 ans, Metal Excess était le seul média français à vous proposer en exclusivité un reportage sur la conférence de presse de Motley Crue à Hollywood, annonçant son retrait définitif de la scène, à la suite de laquelle nous avions pu rencontrer Tommy Lee et Mick Mars en interview. Depuis, que de rebondissements dans cette carrière vraiment pas comme les autres. Après que chacun se soit consacré à ses projets, ce qui nous a permis de retrouver Nick et Six à Paris en 2016 pour 6 AM, les quatre musiciens se sont d'abord réunis autour du film The Dirt, en 2019 pour lesquels ils produiront de nouvelles chansons, puis sont revenus sur leur décision de retrait de la scène en rompant le fameux contrat et en s'engageant sur une tournée des stades américaines avec Def Leppard. Fin 2022, dans une communication un peu confuse, on apprend le départ de Mick Mars, tout du moins détourné, et son remplacement par le guitariste John Five. C'est sous cette nouvelle formation que Motley Crue se produit en Europe en 2023, notamment pour la 16e édition du Hellfest. Depuis son retour aux affaires, nous n'avons pas pu échanger avec eux, et l'occasion nous en est donnée aujourd'hui avec la sortie du titre Dogs of War. Dogs of War, c'est le single des premières. Première chanson en 5 ans, première avec John Five en tant que membre officiel de Motley, première chez Big Machine Records. Nick et Six revient tout d'abord sur sa rencontre avec John Five et comment la collaboration s'est établie entre eux avant qu'il ne rejoigne Motley. I've known John for quite a while. The first time I worked with John, I wrote a song with Desmond Child for Meatloaf called The Monster is Loose. Was a guitar player on that. We've seen each other in passing, and you know, we always liked each other, but you know, it's hard. You know, we're both on the road, and you know, it's difficult. So the next time that, you know, we had hung out a few times, but I needed I wanted to write with some different artists for 6 a.m. for our second album, and me and John and James wrote the song Lies the Beautiful People, which was a number one hit. I was always happy I got worked with John, and every time, you know, it's like good stuff happened, and it was a good experience. And then Big Machine label group hired me as executive producer to put a band together for a Netflix show called Ice Road Truckers. So formed a little band called LA Rats with Tommy Clefetos on drums and Rob Zombie on vocals and John on guitar. And that was a Johnny Cash cover, and that was a lot of fun. Then, well, I think before that, I was, you know, off the road with Motley Crue, and John was coming over to my house and sit in the backyard and play guitars and just, you know, be guys hanging out, telling war stories. And I knew we were going to write a song called The Dirt for the movie. So I asked him if he wanted to write with me. You know, I could show it to the guys and see what they thought. And we ended up writing 8 songs and then kind of boiled it down to 4. And everybody really liked them. We got in the studio and, you know, Tommy and Bob Rock and kind of started the process. And it was really a nice process.
And it was nice to be back in the studio with Tommy and Vince. And that was really great. And then just kind of stayed friends. And then when things were starting to, Mick was, you know, going to leave, it just seemed like a kind of a natural fit. Talk to the guys, the band. We never talked about anybody else. We never auditioned anybody. We just wanted to keep, we didn't want to overthink it, you know. We just wanted a good fit. We knew John was a good fit. His playing is phenomenal, and that's where we're at now, you know. And obviously we did some new songs too, the Dogs of War and Fight Fear Riot and a song called Canceled. Trois titres, c'est bien, mais c'est peu aussi. Nicky a toujours été créatif, avec Motley bien sûr, mais aussi dans 58, Rides of Destruction et surtout 6 AM. Comment explique-t-il que Motley n'ait pas fait d'album depuis 2008? Ça ne lui manque pas? I don't. Okay. I don't. I'm really enjoying if anybody has a song and you maybe, you know, get a few songs together and flush them out, make sure they're really great, and not focusing on 10 or, you know, to get 10 songs, you need to at least do 15. And I think it takes the eye now, takes my eye off the ball for just having some really badass quality songs that come out. I know that there are those fans that want to get a full record. I just don't find it something that I want to do. I want to write Dr. Feelgood and Kickstart My Heart and record it. I want to do Dogs of War and Fight Fear Riot and record it. I want to, those days for me don't seem as creatively viable. It seems like you're just trying to stick a lot of songs into a time frame when maybe they're not the best songs because you didn't have the time to flush them out. Le clip de Dogs of War a été réalisé par le très inventif Nick Denbauer. Comment ont-ils eu l'idée de travailler avec lui? Tommy had shared a video that Nick had done of him, I can't remember, I think it was called Bouncy House, or, but it was just like some crazy video, and Tommy sent it to me and I was like, this is nuts. I really loved it. And he told me kind of the process of how he worked with Nick. So when we got around to deciding what song we wanted to release, I asked him to, you know, kind of connect us with Nick and let's talk. And he's a madman. He's insane. He loved the idea. The song Dogs of War, it says, don't let the bastards get you down. It's a Latin saying. And it's not unlike Shout at the Devil or a lot of songs that Motley Crue is like standing up against, you know, whatever it may be. You know, for we're kind of underdogs and we believe in the underdog. I'm a football fan. Whenever a team's the underdog, I'm going to go for them, not the one that's everybody thinks is going to win. And Nick was able to me and Tommy talked to him. It was really about you can't kill Motley Crue. It was kind of simple and fun. So throughout the video, Nick created all these scenarios where he's trying to kill the band, chop us in half, blow us up. And then in the end, when we finally do die, they're like, oh no, Motley Crue's dead. So they brought in the ashes to the record company, the pigs, and they snorted them and we're back. And it's kind of like where we're at now. It's just like, you know, have some fun. Don't overthink it. Don't really worry about anything other than, are we having fun? La vidéo est truffée de clins d'œil de Motley destinés aux connaisseurs du groupe. Certains auront d'ailleurs remarqué que, contrairement au positionnement classique de Nicky sur scène, dans le clip, il joue à l'opposé. Une raison particulière à cela? You know, I never even noticed that.
I never even noticed that. I'm sure Nick just doesn't know the band that well and just put us on that side. Yeah. En avril dernier, Motley Crue a signé avec le label Big Machine Records, basé à Nashville. Le groupe a longtemps revendiqué sa plus grande des libertés en devenant propriétaire de ses enregistrements originaux. Or, on se rappelle qu'il y a 3 ans, il avait revendu son catalogue à BMG. Pourquoi ? Why did we do that? I believe that they were a good partner in keeping the music into the atmosphere, the environment, the world, keeping not, you know, we don't really think too far in the future. I don't think about the past or the future at all. I'm just kind of in it. And I thought that was a really good thing for fans and, you know, working on re-releases and stuff like that. And it was just a great opportunity. You know, it was a great offer for all of our life's worth of hard work. And the band deserved that. And, you know, and then we, you know, went out and were touring and making some new music, and we just take it day by day. Depuis de nombreuses années, on a l'impression que Nicky a pris le leadership sur toutes les grosses décisions dans le groupe, mais il s'en défend. I'm just one of four, to be honest with you. I mean, I do things for the band that other band members don't do, but I also don't play drums or guitar. So they do something that I don't do. I don't sing, or I do, but not very well. So I think, you know, there's like a, it fits together like a puzzle. À la lecture de son dernier livre en date, The First 21, sorti en 2021, Nicky apparaît plus apaisé que jamais. Le parcours a été difficile, les obstacles nombreux, mais on le sent désormais libre et heureux. Comment y est-il parvenu et la situation un peu particulière avec Motley aujourd'hui y est-elle pour quelque chose ? I never think about being in a band. I don't. Be kind of weird to walk around think about yourself all the time, you know. I like to just view life as it's coming in, and if something inspires me to write a book or something inspires me to write a song or a lyric, that's feels so like what I feel so grateful that I'm able to then be able to call the guys or they call me and say, hey, got a riff, got an idea, and do it. But I don't think about being in a band. That's just me. I mean, I love being in my band, but I don't think about it. You know, when I go to the grocery store, I take my daughter fishing, or, you know, I'm with my friends. We don't talk about that kind of stuff. That's when I'm with the band, we do that together. And we're like, you know, like a fist together. It's badass. But I think there needs to be a separation for you to actually be a clear artist and not be submersed in maybe even ego and too much in yourself. If you're too focused on yourself, you can't take in the other stuff that's gonna inspire you. Lorsqu'on interroge Nicky sur les projets à venir du groupe, il reste prudent et fidèle au principe de profiter de la vie comme elle se présente. We're just playing festivals, and that takes us into October. We don't have any plans next year yet. You know, I know there's some conversations about stuff, and I mean, we have, you know, a few singles that I don't see us. We're not going to be around, so I live in Wyoming, and Vince lives in Tennessee, 2 guys in California. So I don't actually see a reason right now to go in the studio, because we got 2 more singles to do. And I always want to be sure that if we go in the studio, we have a reason, or we have something we're really inspired by. But it's a lot of scheduling, and, you know, we tour and we have families. You know, for me specifically, I have a 5-year-old daughter, and I really want to be with her.
as much as possible. So when the time came to go do these demos of these three songs and then go in the studio with Bob Rock, it was like a perfect time. And, you know, that time will happen again, but there's no rush. Well, fuck. Yeah, man, we're just, you know, we're in 24 and don't really know what 25 looks like, but I'm sure, you know, we'll come up with something fun to do and make sure that we're there for the fans. And I mean, we just did Europe, so I don't see going back there for a second, but we love it over there. We had such a great time in Europe this last time. We got to spend 2 months over there, which is a long time. But what was nice about that is once we got over there, we got unjet lagged and the schedule wasn't so tight. And I had my family with me. I was able to be with the band and play concerts, but also experience Europe, all over Europe. So that was a really good time. I'm enjoying this pace of working. Like, I really enjoy it. I don't feel burnt out. In the past, like, you know, artists, we get burnt out because you tour so much, and I'm really enjoying where we're at. We make music when we feel it. We do shows when we feel it. And I'm really grateful that you're so supportive of new music and of the band. I really, you know, thank you for that. Notez sur vos tablettes les sorties discographiques récentes ou à paraître dans les prochains jours. En attendant la version physique pour septembre prochain, le groupe de metalcore floridien Wage War présente les 10 titres d'un ambitieux 5e album, Stigma, 3 ans après l'excellent Manic. C'est avec un EP que Black Veil Brides fait son retour. Bleeders, c'est son titre, représente une synthèse du répertoire du groupe et préfigure ce qu'il réserve à l'avenir. A noter deux reprises, l'une de My Friends, tirée du film Sweeney Todd, l'autre de Sunday Bloody Sunday, de U2. Un autre metalcore aux antipodes géographiques, c'est celui présenté par les Australiens Thornhill qui, après 2 albums et 2 EP, décident de documenter leur dernière tournée en date par un live on tour, enregistré aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie. L'inclassable trio américano-canadien Sumac, que certains se risquent à qualifier de post-metal pour ne pas prendre trop de risques, sort The Healer, son 5e album et premier en 4 ans. Un peu de pop-punk avec la formation californienne The Story So Far, qui propose son 5e disque, I Want To Disappear, le premier depuis le départ du bassiste historique. Pour la beauté de la musique ou pour contourner un appel à la formation originelle complète de Sepultura, les frères Cavalera ont réenregistré Schizophrenia, ce qui pour beaucoup sera une bonification d'un album culte dont on connaît la production un peu rugueuse. Ils sont même allés jusqu'à revisiter la pochette, et pourquoi pas. Fortress Called Home, c'est le 4e disque studio de Seven Spires, le groupe de metal symphonique qui brasse des éléments black death mélodiques, fondé à Boston par la chanteuse Adrienne Cohen et le guitariste Jack Costo. Cet album marque la dernière collaboration avec le batteur Chris Davas. La formation canadienne Kitty, affectée par la disparition de sa bassiste Trish Doan en 2017, aura mûri Fire. Près de 13 ans le sépare de I've Failed You et les fans de son groove metal ne cessaient d'espérer. Leur patience est récompensée par ce 7e album. On peut comprendre que Within Temptation ait eu envie de marquer d'une pierre sa dernière tournée en date en côté d'affiche avec Evanescence, vu les reports qui l'ont frappé avec la pandémie. L'album Worlds Collide Tour Live in Amsterdam, 6e live des Néerlandais symphoniques, en est le témoignage multiformat audiovisuel. C'est justement aux Pays-Bas que Marillion, dont on ne compte plus les innombrables lives, avait organisé un petit week-end entre amis de 3 jours en mars 2023. Une setlist différente chaque soir, c'est celle de la seconde date, reprenant la totalité du dernier album studio en date, qui figure sur An Hour Before It's Dark, live in Port Zealand 2023. Déjà 20 ans d'existence pour ce groupe texan complètement à part.
Nothing More délivre son 8e album, Carnal, soit 15 titres toujours bourrés d'une énergie et d'une originalité folle, et qui accueillent notamment des featurings d'Eric Van Lerberg, d'I Prevail, de David Drayman, de Disturbed ou encore Sinister. On reste dans le sud, mais changement radical d'état et de style avec Kyle Daniel et un Southern Country Rock authentique dont regorge son premier album, Kentucky Gold. Référence de la scène japonaise de ces 15 dernières années, Crossface poursuit son exploration du groove metalcore mélodique avec un cinquième album, Arc. Première sortie depuis 2019 pour les Danois de groupe death mélodique Ill Disposed avec In Chambers of Sonic Disgust, leur 15e disque studio. Une réalisation freinée par la pandémie et surtout le départ du guitariste Rasmus Eriksen pour des raisons de santé, remplacé par l'ancien titulaire du poste Ken Holst. 200 Step Once, le jeune groupe de death metal originaire de Cleveland, sort un deuxième album de 9 titres intitulé Manual Manic Procedures, avec une participation de Jamie Morgan de Cut the Range sur l'un d'entre eux. The Silver Key, c'est le 9e disque du groupe polonais Crystal Viper, fidèle depuis 20 ans à son heavy power metal traditionnel. À un mois d'intervalle, Il Niño, le groupe de nu metal du New Jersey, aux multiples origines sud-américaines qui avaient disparu des radars, ou tout du moins des bacs, pendant 10 ans, sort deux EP Immortals, volume 1 et 2. Il faut dire qu'après un succès énorme dans les années 2000, les conflits juridiques entre membres fondateurs ont détourné le groupe de ses priorités musicales. Elles viennent du Mexique, ce sont les trois sœurs Villarreal Vélez, qui font grande sensation avec The Warning. Un sacré chemin parcouru avec ce quatrième album, Keep Me Fed, quand on se souvient qu'elle s'était fait remarquer adolescente sur YouTube il y a 10 ans avec une reprise d'Enter Sandman. C'est frais, c'est pop, c'est rock, c'est hard et c'est plein d'énergie. Le groupe suédois Greenleaf s'est embarqué dans son aventure musicale stoner hard rock il y a 25 ans et The Head and the Habit marque sa 9e production studio. Le culte Kenville, est-ce possible? Les chiffres parlent d'eux-mêmes pour le seul, l'unique Anvil, comme le sous-entend le titre de son nouveau disque One and Only. 45 ans de carrière, 20 albums, increvable. Le heavy et le power metal, ça conserve. Il est l'incarnation même de la richesse de la scène française, de son originalité, mais aussi de son indépendance. Alceste n'a pourtant pas toujours été prophète en son pays, sans doute parce qu'il cassait les codes et se refusait à s'inscrire dans un genre spécifique, ce qui parfois fait gagner du temps. Le temps, 25 ans, le projet de neige, son fondateur l'a pris. Sans se soucier des critiques ici, et même plutôt encouragé par le succès ailleurs. Après quelques incontournables étapes en festival, il y a quelques années, dont le Hellfest, le public français et le groupe semblent s'être découverts et apprivoisés. Alceste préserve toujours un petit côté black metal, même s'il est loin désormais. Les Chants de l'Aurore, son 7e album qui vient de paraître, revient à une inspiration beaucoup plus lumineuse et sereine, moins brutale que certains albums passés. Neige nous explique ce qui l'a poussé à composer dans ce sens. Alors en fait, je décide pas vraiment en général de la direction d'un prochain album. Ça vient un petit peu au moment où je recommence à composer. Au bout d'un ou deux morceaux, je vais commencer à avoir une direction qui se trace. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé pour cet album. Donc il y a eu le Covid. J'ai été pas très inspiré pendant une année complète quasiment où je prenais ma guitare et il y avait très très peu d'idées qui ressortaient. Parce que je pense qu'en fait on était très fatigués, on a tourné avec Alceste pendant quasiment 10 ans non-stop. Donc je pense que j'avais fait presque un petit burn-out quoi. Et du coup ça m'a fait du bien de pouvoir juste rester chez moi, faire un petit reset quoi. Et donc petit à petit l'inspiration est revenue. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais besoin de revenir au premier... aux premières idées que j'avais eues avec Alceste, donc
que ce soit une espèce de description de cet autre monde dont je parle dans mes premiers albums. Donc forcément, la musique est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus éthérée que ce qu'on a pu faire sur les deux derniers albums. Et voilà, c'est un peu une espèce de retour aux sources. Et en même temps, il y a toute l'expérience qu'on a maintenant en tant que musicien, parce que bon, le projet commence à être assez vieux. Et on a appris beaucoup de choses quoi, depuis les débuts. Donc voilà, c'est un peu un retour au concept premier d'Alceste, en fait, avec la maturité, entre guillemets, qu'on peut avoir maintenant. Quoi. Neige explore une thématique très contemplative du voyage, mais aussi de la quête de soi. C'est très compliqué pour moi de parler de mes textes. Je fais de la musique pour ne pas avoir à parler de ce que je ressens. C'est très dur de mettre des mots sur le concept d'Alceste. En fait, c'est un projet qui est très spirituel. J'ai vécu une expérience spirituelle assez forte quand j'étais plus jeune, qui m'a beaucoup marqué et qui a fait que du coup, à l'adolescence, j'étais dans le métal. Et je me suis dit pourquoi pas dédier un projet musical à ça pour pouvoir partager un petit peu cette expérience avec d'autres gens. Quoi. Et Alceste, c'est un peu ma. C'est un journal intime et c'est une quête spirituelle à la fois. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis adolescent du coup. Et chaque album est en fait une facette différente de ce même concept. Donc à chaque fois, ça va être un petit peu différent. Et le dernier, forcément, voilà, il est beaucoup plus lumineux. Parce que je pense que j'ai pu prendre aussi du recul et pendant cette période du Covid, savoir vraiment ce que je voulais faire avec ce projet. C'est un projet musical, mais c'est aussi quelque part une quête spirituelle qui me permet de mieux me comprendre aussi. Même si sur les chants de l'aurore, la voix est mise un peu plus en avant, Alceste a souvent placé le chant au même niveau que les autres instruments, voire en deçà. C'est un peu le style global d'Alceste et c'est un truc qu'on nous reproche un petit peu, mais en même temps les gens comprennent bien que ça fait partie de l'identité du groupe, d'avoir le chant un petit peu en retrait. Donc c'est un truc qui se fait beaucoup dans le shoegaze, quoi, par exemple. Où le chant en fait juste partie de l'ensemble des instruments, il n'est pas forcément mis en avant. Quoi. Et je pense aussi que c'est vachement lié au fait que, bah, vu que j'écris en français, j'ai envie d'éviter un petit peu ce côté chanson, groupe vraiment estampillé, groupe français. Quoi. Donc j'essaie, donc pareil, j'articule assez mal déjà quand je parle à la base, et quand je chante, c'est peut-être encore pire. Donc même les Français ne comprennent pas ce que je dis quoi, quand je chante. Donc. Mais c'est à moitié volontaire en fait. Je veux vraiment qu'il y ait plus un aspect un petit peu universel en fait au morceau d'Alceste plutôt que tiens on écoute un groupe français quoi. J'aime bien le fait que les gens doivent prendre vraiment le temps de lire les paroles pour vraiment comprendre ce que je chante quoi. J'aime bien en fait qu'à la première écoute les gens sachent pas exactement tu vois ce dont il s'agit quoi. Le nouvel album est accompagné du talent artistique du peintre Johan Lossel, également réalisateur du clip de L'Envol. Je le suis depuis quasiment ses débuts. Donc ça fait plus de 10 ans, enfin ça fait à peu près 10 ans quoi, que je connais son travail. Et je suis un gros fan depuis très longtemps. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais osé le contacter avant, parce que je pense que peut-être que ça s'y prêtait pas assez au niveau de l'approche visuelle que je voulais pour les albums précédents. Et là, je me suis dit, vraiment, c'est l'occasion parfaite pour contacter Johan et lui proposer une collaboration avec Alceste, quoi. Parce que je voulais vraiment une authentique peinture. Donc là, pour le coup, c'est une peinture à l'huile. Donc c'est complètement à l'ancienne, quoi. Il n'y a aucune retouche, il n'y a aucune post-production. C'est la pochette que l'on voit, c'est vraiment la peinture. Et je trouve que c'est assez chouette quoi, par les temps qui courent où il y a beaucoup de digital quoi, partout, même de pochettes qui sont faites en intelligence artificielle. Enfin, je voulais vraiment qu'on se pose en opposition par rapport à tout ça. Quoi. Disons quand on a passé toute sa vie à essayer
voilà, de se perfectionner, de travailler son art, et qu'il y a des gens, voilà, en un clic ou deux, ils vont faire une image. Je trouve ça vraiment... Puis c'est un manque de respect pour les fans aussi, je trouve. Bon, bref, on va pas rentrer dans le débat. Démarche tout à fait originale, Neige ne fait pas appel uniquement à des musiciens professionnels sur ce disque. Il y a juste Aruna, et sinon il y a ma cousine, donc France. Il y a les enfants d'un de mes meilleurs amis, donc, que je connais depuis l'école primaire. Donc il a des enfants maintenant, et du coup ils ont fait un petit peu de chant sur le premier morceau. Donc j'ai aussi travaillé avec un musicien islandais pour les arrangements et un musicien français mais qui vit en Suède. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a divers intervenants sur l'album. J'ai été un petit peu frustré sur le précédent par rapport à tout l'aspect arrangement, parce que l'album est assez cru. Enfin, il est vraiment basé sur les guitares, la basse et la batterie. Et pour les chants de l'aurore, je voulais vraiment retrouver un côté beaucoup plus ample, en fait, presque orchestral, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pistes de chant, il y a beaucoup de synthé, beaucoup d'arrangements en général, quoi. Avec un album sur lequel figure pour la première fois une composition totalement au piano ou la présence de viols de gambe, Neige a-t-il l'impression de rentrer dans une phase plus expérimentale qu'auparavant ? Non, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais c'est la première fois avec Winterhalter, du coup, qu'on s'enregistre nous-mêmes. Parce qu'avant, on allait en studio, et tu sais ce que c'est quand tu es en studio, t'as un temps qui est relativement limité, enfin, tu peux pas trop déborder, quoi. Donc on n'avait pas le temps, en fait, d'aller aussi loin que ce que l'on voulait pour les arrangements. Et là, c'est la première fois où j'ai vraiment pu passer énormément de temps sur chaque détail, rajouter des couches de synthé. Enfin, après, le piège, c'est que tu sais pas forcément trop te fixer de limites. Donc tu peux très facilement commencer à empiler les couches, quoi. Mais je pense que là, on a un bel équilibre sur l'album entre la partie vraiment plus classique des guitares et batterie, chant, basse, et tout l'ensemble des arrangements qu'il y a autour. Ouais. Et pour en venir au piano, du coup, ça a été enregistré sur le piano de ma grand-mère, sur lequel j'ai appris la musique, en fait. Donc il y a une chouette histoire par rapport à ça. Ouais. Alceste a beaucoup tourné ces dernières années et on voit bien que le projet essaie de se produire de manière un peu différente, comme ponctuellement en acoustique avec le pianiste Nicolas Horvat. Va-t-il poursuivre dans cette voie ? Alors, le live, on est vachement tributaire de l'aspect plus logistique, quoi. Parce qu'on ne pourra pas transporter un piano à queue sur une tournée, par exemple. Donc ça va beaucoup dépendre de ça. Et aussi, on ne pourra pas forcément faire venir beaucoup de musiciens sur scène, parce que si ça fait des places dans les tourbus et tout, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, on va essayer que chaque tournée se détache, en fait, des précédentes, et essayer de s'améliorer à chaque fois, de proposer un concert de plus en plus ambitieux, quoi. Donc je pense que la prochaine tournée sera assez chouette, en tout cas. Alceste s'embarque donc pour une tournée dans toute l'Europe autour de l'album Les Chants de l'Aurore à partir d'octobre prochain, avec en point d'orgue pour la France une date à l'Olympia le 6 décembre. Voilà, Metal Excess, c'est terminé pour aujourd'hui. Notez bien notre prochain rendez-vous fin juillet pour nos épisodes consacrés à l'édition 2024 du Hellfest. Merci pour votre fidélité et d'ici là, prolongez l'expérience métal sur fx.fr.